Hey yo les gens, c'est DrakeSurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 2023, donc bonne année et bonne santé pour ceux qui ont passé la bonne année. Donc petite vidéo retour sur nouveau jeu, parce que nouveau jeu pour moi, parce que vu que je me l'ai pris en... J'ai pu bénéficier du jeu un peu, donc je vais vous présenter et mon ressenti du jeu Elden Ring. Donc je joue la catégorie comment ça s'appelle, ninja, donc catégorie ninja avec katana et bouclier et arc, hein, clairement. Donc je vais vous présenter un peu le jeu, je vais vous donner mon ressenti, on va aller se faire 2-3 trucs, on va regarder un peu la map. Donc voilà, donc je lance le petit jeu. Donc j'espère que vous avez passé une bonne année, une bonne fin d'année. Bon, piste 1 Elden Ring. Déjà n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, ça fera toujours plaisir. Donc, comme vous le voyez, bon, je suis à un site de grâce, je suis ici, donc comme vous le voyez, j'ai pas mal visité, j'ai fait pas mal de petits boss, surtout dans cette zone-là, hein, il me reste pas mal de boss, j'ai fait celui-là, j'ai fait ceux qui étaient les plus faciles dans les mines. Je suis déjà allé visiter un peu à droite à gauche grâce au point de TP, parce qu'il y avait des coffres qui m'ont envoyé. Comme vous le voyez, j'ai une zone qui est là parce que un coffre piégé m'a envoyé là-bas. Donc c'est plutôt voilà, et le reste à découvrir. Donc la map, moi je la trouve plutôt cool, je la trouve plutôt sympa. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors on va pas dans les coins, dans le coin des dragons, parce que comment dire, le coin dragon c'est pas mon niveau. Même si bon, il y a certaines zones, on va dire, qui sont plus simples que d'autres, parce que les PNJ sont plus simples, mais c'est vrai que il y en a, ils sont moins faciles que d'autres. J'avais l'intention d'aller, parce que j'ai fait pas mal de boss, mais il y a ce boss là qui me dérange, donc à l'arbre du monde mineur, qui clairement j'ai du mal à le combattre, donc c'est très très chiant pour moi. Là il me faut une clé pour l'ouvrir, et là c'est un chevalier qui clairement me donne plus de mal que d'autres choses, mais ouais, c'est très compliqué. Sinon j'ai fait déjà pas mal de trucs, j'ai fait déjà les invocations rouges qui sont automatiquement, donc je pense que c'est des PNJ qui spawnent un peu aléatoirement. Donc il y en a un là et un là, si je me trompe pas, ouais ça doit être là, devant l'entrée de l'église. Donc voilà, et puis c'est tout, hein. C'est tout. Petite chose que moi je trouve qui est un peu dérangeant dans ce jeu, c'est que bon, alors déjà d'une... c'est au niveau des grandeurs de monstres. Au niveau grandeur de monstres, on va dire que le jeu est plutôt cool. Moi, je le trouve plutôt sympa. Sauf que quand on est par terre, alors je sais pas pour ceux qui y jouent et qui y jouent souvent, moi, j'arrive déjà pas à contre. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à contre. Alors bon, j'ai le bouclier, tout ça, machin. Alors je sais, on va me dire, ouais, machin. Alors je sais que peut-être que sur des gros, obligatoirement, non, on peut pas contre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as des géants qui vous mettent par terre et que le personnage met 2 jours à se lever, ouais, bof, quoi. C'est pas un,
C'est pas le meilleur truc à faire quoi si vous voulez XP ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je suis niveau. Mon personnage est niveau 1-1-1-1-34 avec une rune de possibilité de posséder. Alors c'est pareil, les runes, moi je trouve ça pas normal que quand on est contre des boss ou quoi que ce soit, de perdre toutes nos runes. Ils auraient dû faire la moitié, je pense. Ça aurait été déjà beaucoup plus simple pour nous, clairement. Parce que clairement, les runes, c'est très, très chiant à avoir, surtout quand vous avez un truc comme ça qui vous attaque. Alors bon, moi j'arrive plutôt à les gérer quand je suis sur le cheval, mais voilà. Donc je vais aller là où je voulais aller. En fait, je me posais la question ce qu'il y avait. Je visite un peu, je fais les grottes. J'essaie de trouver les boss les moins. Les moins chiants. Faut le dire. J'essaie de me faire un peu de grâce pour XP quoi, parce que clairement c'est pas simple hein, d'XP sur ce jeu là, parce que si vous avez pas de grâce ben vous n'XP pas. Là il y a des loups. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui jouaient. Et dites-moi en commentaire comment vous trouvez le jeu pour ceux qui y jouent souvent. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui y jouaient. Ah, bah une grande. Celui-là, je l'ai pas trouvé. Ah si, peut-être. J'ai envie de le faire. J'ai pas trop envie de faire le boss qui est là pour le moment. Pourquoi et comment? Bah, c'est le boss Salamander, comme dirait l'autre, et vu le nombre de grâces, si 300, j'ai 300 de grâces, est-ce que j'améliore mon épée? Je vais aller améliorer mon épée, parce que je vais aller améliorer mon épée si j'ai assez de trucs et puis tout ça. Je trouve que l'arc, pour moi, j'utilise pas souvent l'arc. J'utilise pas souvent l'arc, mais c'est vrai que pour des monstres à distance, moi je vois le château, là, le premier château, là où il faut traverser. Alors moi j'ai fait le tour. J'ai clairement trouvé un passage pour machiner pour ceux et celles qui cherchent pour aller dans l'autre zone, machin, pour aller à la zone des marais, c'est très très chiant. Ouais, c'est pas la meilleure solution pour passer dans le château. Donc, bon, toi, tu me dis toujours la même chose. Oui, je suis pas mort, hein, mais... sauf que... Vous n'avez pas de composants. Ouais, mais les composants, ils sont où? Ils sont marqués où, les composants, en fait? J'avais même pas remarqué. Tranchant. Je pourrais améliorer mon bouclier, mais bon. Après, c'est vrai que, bon, si j'améliore le bouclier, je sais pas s'il y en a des meilleurs. Je vais l'améliorer au moins une fois. Et les arcs aussi. Bien me trouver une nouvelle dague, un nouveau katana. Je sais pas où il est l'autre. Je sais qu'il y a un autre katana, mais je ne sais pas où il est en... Y a rien. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Ah non, c'est ça qu'il faut ouvrir. Mais je crois bien que j'ai pas de clé.
vrai que j'en avais une. C'est pareil, ça avait le titre. J'ai pas de clé. Ah oui, j'ai pas mal de bordel dans mon inventaire. Mais comme vous le voyez, dans fabrication objet, j'arrive pas à le débloquer. Alors pour ceux et celles qui jouent souvent, si vous pouvez m'indiquer comment débloquer ce truc là, parce que depuis le temps que j'y joue, ça va faire quand même une semaine ou deux, plus d'une semaine déjà. Hein ? What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words help, ah oui, alors je me tais parce que j'aime bien lire ce qu'ils disent, parce que des fois il y a des trucs très intéressants, parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs, pas mal de quêtes, pas mal de machins qui se baladent à droite à gauche. Et donc j'ai aidé un noble il y a 2-3 minutes là. Je m'étais dit, oh ben, le noble il va même pas me servir à grand chose, et puis tout compte fait. Tu sautes, t'as l'impression d'être aussi lourd que... Mais c'est tout. Y'a rien d'autre. Lire. Boss droit devant, mais sans éclat. Quelle surprise. Quoi? Les deux folles, comme je les appelle. Cloche monde esprit. Cloche qui permet d'invoquer divers esprits par cercle. Ok. Épée double. Courbe. Ah, il me faudrait un katana, épée d'escroc. C'est une rapière. Bah, attendez, parce que c'est une rapière. Mon épée fait partie des rapières? Non, fait partie des katanas. Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas de katana dans le coin? Lance, arc. Me sent de loup solitaire. Anneau d'injonction blanc. J'ai déjà deux machins comme ça. Augmente la, les emplacements des... Ouais, j'en ai déjà récupéré deux. Mais... ça me gonfle un peu de pas avoir d'autres katanas. Je sais pas si on peut avoir un autre katana. Donc c'est l'autre qui est là-bas au bout, qui est normalement qui est là. Pareil, la chaperon, le chaperon rouge. Elle, je l'ai fait. Bon, va falloir que je trouve une clé quoi, pour passer au minimum, pour trouver. On peut pas, on peut, non, bah non, on peut, si on peut sauter, mais qu'est-ce qu'ils disent? Lire, c'est le moment de mort. Y a quelque chose en dessous quoi.
putain. Rien d'autre. J'ai déjà vu quelque part. Qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être toujours pas notre. C'est quoi ça? C'est énorme. Ok, d'accord. D'accord. J'ai déjà vu quelque part. D'accord, bon. C'est tout? On peut pas nous ouvrir les portes alors. Ok. Bon. Ah, je pense qu'on tourne là-haut. Oui, bah oui, à l'entrée. Bon. Bah au moins j'aurais visité un peu. J'aurais fait un peu de trucs. Bon, normalement au montage. Ok, donc ce truc là. Ok, au moins ça reste comme c'est. Ouais, les invocations, j'arrive pas. Normalement j'ai eu de la grâce là avec notre. Qui font des trucs qui tapent là. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui jouent à plusieurs. Je pense que c'est beaucoup mieux de jouer à plusieurs, je pense. Je pense que ça doit être un saut. Non, c'est pas un saut. J'ai plusieurs branches, je pense, sacrificielles. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre. Bah il s'est mis où le truc? Putain, j'ai tellement de bordel. Où le truc, j'ai pas mal de centres de guerre. Cet objet peut être utilisé au menu multi. Attire les envahisseurs qui permet alors de. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, ok. Bon, c'est juste un truc pour le multi.
Mais bon, pour le moment, j'en ai pas vraiment l'utilité. Alors moi qui voulais aller se faire le boss Salamander en utilisant un peu de... en utilisant un peu les trucs, ben je vais peut-être pas le faire parce que je me vois pas aller... je me vois pas aller mourir, donc je vais peut-être aller au boss de l'arbre. On va essayer de se faire. Il y a une grotte là. Il y a une grotte là. Il y a une grotte là. On va aller voir. Les points rouges comme ça, c'est des grottes. Donc on va aller voir. Donc bien sûr, je couperai certaines choses au montage, hein, bien sûr, parce que sinon, ça sera trop long pour vous. Ça sera trop long pour vous, et puis bon, ou soit je le mettrai en accéléré les moments où je meurs, mais je veux pas non plus, je veux pas non plus faire des trucs, je veux pas non plus, là, je veux pas faire 30 minutes juste pour ce boss-là ou quoi que ce soit. Donc je préfère continuer. Si ça bug, ça bug. Si ça bug pas, ça bug pas. Mais au moins... Donc, j'étais déjà venu là. Je l'avais fait. Ça respawn correctement ces trucs là. Bon, voyons voir à quoi on va s'attendre aujourd'hui niveau boss. J'ai déjà fait un géant, j'imagine que... Qu'est-ce qui pourrait être de la catégorie des oiseaux volants là? Un truc qui ressemble à de la merde. Est-ce que j'arrive à le voir? J'ai l'impression que c'est un truc qui est allongé. Ouvre-toi. Si je me prends une claque. Pardon. J'ai pas réagi tout de suite, mais... Grande hache, encre rouillée. D'accord. Et c'est tout? Bon, ben... Voilà, j'en ai chié pour l'autre boss. Et ben là, cette fois-ci... cette fois-ci, j'ai eu plus de facilité qu'autre chose. Super. Encre rouillée. Super, le truc qui... Alors moi j'aime bien récupérer tout, tout ce que je n'utiliserai pas comme ces trucs là, je les mets dans le coffre, donc au niveau de la grâce. J'essaye de d'un minimum récupérer tout ce qui a bon pour le futur, mais c'est bien que j'aime bien récupérer tout ce qui est un peu... Ah merde, bah oui, la grâce là en bas. Là, on a des marais, là. On va aller, là. Alors, apparemment, il y a un meilleur katana. Et j'ai toujours pas trouvé. Alors, je sais pas si c'est dans une autre zone ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez l'opportunité de me dire où il est, moi, j'irai même avec un indicateur pour me dire, voilà, il est dans cette zone-là. Parce que clairement, je suis pas le meilleur à chercher ces trucs-là. Je vais peut-être mettre. Peut-être dans l'endurance, charge équipe, max. Esprit, ça me ferait un peu plus de mana.
Et ça, ça me donnerait un peu plus de vie. Dextérité, on sera à 20. Et ça montrait pas grand chose. Ça montrait même rien du tout. Là, ça montrait la magie. Mais la magie, j'en ai pas vraiment l'utilité. La foi. Parce que la foi augmente mon arme principale. Je serai à la place de. Je suis un dégât de plus, quoi. 1% de plus. Mm-hmm. 598, 625. Quoi, on va mettre dans la vie. Allons voir ce qui nous attend au point. Attention parce qu'il y a un arche. Ce boss là, je peux plus le voir en photo comme dirait l'autre. Je l'ai battu. Je l'ai battu, mais ça me donne quoi? Le truc dans ces coups de temps là, je sais pas si en perdant en même temps que le boss, je sais pas du tout comment ça donne. Perle de cristal Opaline. Ok. Lame cristal pourpre furieux. Ok. Oh, je l'ai enfin battu. Et c'est grâce à vous. Mais par contre, je pense que ouais, j'ai pas dû avoir les âmes parce que vu que je suis mort, je pense pas que soit. Il y en a qui mettent vraiment des trucs qui servent à rien. Bon, ben je m'étais dit, oh, ben, je le battrai pas du premier coup. Et je pense que vu que je suis en vidéo, ben j'ai donné de ma personnalité. Pas à dire. 320 de dégâts, ça fait autre chose quand même. Y'a rien. Oh, viens là. Des fois, il peut filer des trucs pas mal. Mais j'ai pas l'impression que lui. Ok. Bah, on a fait le tour, hein. Oh, j'ai l'impression. Dans cette zone-là. Moi, je voudrais bien avoir un katana. Bien.
costaud que le celui que j'ai. Je les ai bien combattus. Pareil pour le machin qui est là-bas. C'est vraiment tout fait là dans la zone. Il me manquerait plus qu'à faire de l'XP. Salut. Parce qu'il y a vraiment plus grand chose à faire. Alors est-ce que ce serait des trucs comme ça, les trucs que j'ai récupérés? Parce que c'est vrai que j'ai déjà couché trois machins comme ça. Mais je sais pas du tout à quoi ça sert. À récupérer. Non, il n'y a rien. Bon, qu'est-ce que on pourrait faire? Est-ce qu'en regardant, donc là c'est fait, le tombeau des héros il est fait, là c'est fait. Si, il y a le chevalier qui est là. Il y a le cavalier qui est là. On va aller se tenter le cavalier, puis on se laissera là, parce que ça fait déjà une heure que je tourne. Pour vous, mais après il y aura le montage, tout ça, donc bien sûr il y aura des moments où je couperai qui sert à rien, comme où je faisais mon tour dans la forteresse. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront coupées au montage, mais c'est vrai que là pour cette vidéo, ben je vous aurais quand même gâté, parce que là habituellement j'évite les vidéos comme ça, mais là j'avais envie de... De ça, la caméra elle est trop chiante au niveau du truc. Ah non, il va m'envoyer où là? Parce que j'ai pas pris le point de grâce. On va quand même essayer de faire le cavalier, mais normalement le cavalier c'est pas un katana qui file.
Il est costaud, mais bon. Oh. N'avait plus de vie, putain. C'est chiant, ça. En plus de ça, ils te font des textes. Alors, à la place de te bloquer le truc, ça te fait... T'es obligé de gérer le OK, oui, non, machin. Voilà. Alors, c'est pareil, ça. Comme je disais au début de la vidéo, quand tu te lèves, faut pas être pressé, hein. Moi, je sais pas, hein. Quand tu vois un ennemi, le premier truc que tu fais quand t'es par terre, tu prends pas 15 jours, hein. Oh, un moine. Bon bah c'était pas un katana mais au moins j'ai battu ce boss là. Parce que Lyon, celui-là c'est pareil. Il m'en aura fait voir des vertes et des pas mûres. Voilà. Bon bah je crois bien qu'on va se laisser là. On va juste ranger un peu le bordio là. Et puis on va se laisser là. Avec toutes les armes que j'ai. Donc la dague. Ça faudra que je le vende parce que je l'ai. Ça je l'ai pas. De toute façon, même si je les ai en double, parce que je les vends pour certains. Donc tout ce qui est lance et machin, tout ce qui voilà me rapporte vraiment pas grand chose. Il y a vraiment katana, j'en ai trouvé aucun. J'ai trouvé pas mal de trucs machin, mais j'ai rien trouvé d'autre. Bon ben, c'est sur ceci qu'on... Hey yo les gens, c'est DraxSurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une fin de vidéo. Alors oui, alors pourquoi je dis une fin de vidéo?
Parce que je suis en plein dans le montage de Elden Ring et j'ai remarqué que j'avais des morceaux qui avaient disparu de la vidéo, donc surtout la fin. Donc je vous dis une bonne fin de vidéo, j'espère que vous regarderez jusqu'à la fin. Vous me direz aussi pour le montage, je sais que j'ai enlevé pas mal de choses. J'ai enlevé pas mal de trucs qui avaient pas de rapport. J'ai préféré vous mettre les combats, les moments où je me TP à peu près. Donc vous me direz, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai déjà fait un premier montage au début et j'ai remarqué qu'il y avait eu 2-3 trucs, des petits bugs, 2-3 trucs, 2-3 latences à droite à gauche. Vous me direz en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.